Les enjeux premiers de The Grand Oral de cette année, ça a été de passer la crise Covid-19, où le format du Grand Oral a complètement changé. Là où il doit passer sur une matinée avec six jurys différents dans des salles différentes, on a dû le reporter sur 3 jours. Tous les maîtres d'alternance ou tous les membres du jury ne se retrouvent pas tous aussi à l'issue de ces jurys autour d'un cocktail, comme moment familial. Convivial plutôt, parce que voilà, mais familial aussi, parce que c'est aussi l'essence même de notre formation, je pense, et je pense que les retours d'étudiants marquent le point là-dessus. Alors, les enjeux du grand oral sont clés pour nos étudiants, puisque les étudiants sont confrontés à un jury de professionnels d'intelligence économique et ils doivent répondre en fait à une vraie mission d'IE commandée par un vrai client. Et donc l'objectif, c'est de répondre en fait pendant leur grand oral selon les 4 piliers du cycle de l'information qu'ils ont appris à l'école, qui sont la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information stratégique. C'est différent, mais ça n'a pas moins de valeur que les années précédentes. Le stress des étudiants est là. Mon stress aussi est là parce que ben voilà, on les connaît depuis bientôt 1 an, on les a vus grandir aussi en C'est tant que vrai. consultants et voilà, et on a envie qu'ils réussissent et on essaye de tout faire pour les mettre à l'aise et puis est-ce qu'ils réussissent aussi leur oral. Et je pense que voilà, les premiers qui sont passés aujourd'hui ont prouvé aussi leur qualité et j'espère qu'il en sera de même pour ceux qui vont venir dans les 2 jours qui suivent.